Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté à qui doit attendre nous sur TV La Caille, chaîne Grands Événements qui entre la caillou. Dans même objectif là, pour nous capables informer au bout de toutes dernières nouvelles qui a dominé l'actualité nationale ou internationale. Mais nous allons aller dans le pays, les États-Unis. Et bien écoutez, nouvelle là tombée tant qu'on y a une bombe sur question résultat. Et Livin pas nous surprise encore par rapport avec suspense là qui était été campé depuis mercredi, jeudi, vendredi, eh bien, le devine pas un suspense encore, mais tout bagaille qu'on était capable de virer parce que pour que j'aime gagner un résultat définitif, eh bien, Joe Biden passait une vitesse extrême sous Donald Trump, que bien côté, lui passait, là où on a parlé là, avec 273%, et déjà CNN, eh bien, confirmé que Joe Biden élit 214e président pays, les États-Unis. Pour plus de détails, on va nous entrer directement dans l'information. Pas oublier mes amis avant nous aller, songez à abonner, inviter des trois amis, des trois familles pour être capable de rejoindre nous sur TV La Caille, chaîne Grands Événements. M'gade ça avec vous, Jacques, puisque en dehors de tout bagage ça. M'gadio, qu'on projette sur tête tombée, quoi, là, je projette Joe Biden, président élu. On ne va pas là maintenant. Ok. Projection, qu'on breaking news qui fait tomber là, je prévois que c'est Joe Biden, CNN fait prévoir. Que c'est Joe Biden qui est 46e président élu. Et puis Kamala Harris a fait l'histoire tout comme première fois. Une femme à vice-président et une femme d'origine noire à vice-président aux États-Unis. Ça m'a donné là, m'a regardé un live devant là. C'est Radio Mega qui a annoncé en premier, même j'ai avec CNN, Joe Biden. Très bien, bon garder avec vous, c'est vrai, en fonction des nouvelles, ça saute bon là, Jacques, il y a des questions, pas même besoin de poser. Mais il y a des gens qui ont dit tête là, Jean-Yves a passé là, les États-Unis qui projetaient tête ou bien qui dit tête que c'est champion de la démocratie, pour qu'ils aient tout parlé en pile ça, au point où on a parlé de guerre civile, au point où on a Trump fait appel devant la Cour suprême, devant la justice, tout bagaille ça, yo. Alors que démocrate, yo, l'aime dit démocrate, yo, moun qui a fait démocratie, tout bon vrai, yo, c'est des moun qui accepté échec, yo, accepté que yo perdu, accepté yo gain. Moi, je pense que monsieur Kofetchite, non, là, ancien président, là, c'est une gagne de ça, je veux dire, ancien président et Trump sont exception à la règle. Parce que monsieur défié tout ça que nous, jamais, nous-mêmes, aux États-Unis, depuis tout le temps, on a vu aux États-Unis. Pas jamais un président qui a un comportement que monsieur gagne. Hein, et très, une impression, ça fait là, c'est pas un vote pour Joe Biden, c'est un vote contre Donald Trump. Son référendum, souvenez-vous, comme ça, parce que lui montrer dans l'arrogance, lui montrer par la hauteur de présidence des États-Unis, qui ont un job prestigieux, et je dis un peuple américain punir peut-être ça, et c'est d'accord que il n'a pas voté monsieur, il a voté et Joe Biden, et il a retiré monsieur dans White House, parce que monsieur n'a pas fait honneur, pays, ça a quoi, Abdila. Je ne sais pas quoi ils sont champions en démocratie. Je ne sais pas quoi ils sont champions en démocratie. Parce que, comme vous parlez, ni nous-mêmes en Haïti, ni les États-Unis, nous sommes deux jeunes peuples. C'est 200 et plus d'années d'indépendance que nous gagnons. Nous ne pouvons pas comparer peut-être avec des mondes qui gagnent plus de 500 ans, qui gagnent plus de 1000 ans depuis qu'ils ont gagné une certaine autonomie. Nous ne pouvons pas comparer peut-être avec Monsaro, du tout. Monsaro, nous sommes petits mondes petits devant Sandayele. Démocratie dans certains pays. Très bien, mais qu'il y a. Jusqu'à présent, il n'a fait. Oui, vous mettez dans les. Vas-y. Mais jusqu'à présent, vous faites un délire. D'ailleurs, c'est apprentissage qu'il a fait toujours. C'est apprentissage qu'il a fait. Ça qu'il a fait là, il permet à un homme que votre populaire et dit que vous-même, et puis il a créé quand même, je ne vais pas dire un garde-fou, mais il a créé une contrebalance. Il a créé une contrebalance pour montrer que. Bien, aux conditions pour pouvoir être président des États-Unis. Oui, mais. Aux conditions, hein. Très aux bien. Aux conditions que peut-être, monsieur le président là, pas rempli, il n'y a pas peut-être allé assez profond pour te remarquer que monsieur pas doué président des États-Unis, parce que c'est plus une honte qu'on est content, pas bien être content là. Très bien, mais par rapport avec ça, dis-moi là, Jacques, c'est vrai, Joe Biden qui a finalement président, mais en pile, monde voté trop, que contrairement avec ça, monde traversé. Il y a des gens qui disent que Joe Biden sont celles qui ont les piles, toi, les droites, oui? Non, c'est ça, en pile, monde qui pensait, après tant de bavures, après tant de gaffes que Trump fait,
dans le pouvoir de grand tout le monde qui était pensé que M. Patap bon état, M. Patap bon monde qui votait pour lui. Mais avant tout, oublions bagaille. Oubliez que Trump sorti l'ensemble de l'établissement américain. Trump sorti la matrice blanc. Trump sorti la matrice sorti les KKKA. Trump sorti la matrice monde qui pensait que bon white suprématie. Trump fait partie de la vieille école. Trump pas réalisé que de l'elfe fait à Jodian, les États-Unis pas même couleur encore. Les États-Unis pas blanc. Autrefois, l'on élection, c'est vrai, c'était deux blancs qui ont couru dans la face. Mais c'est des blancs qui ont élu un président. Eh bien, je dis hein, que au bon mélange de asiatiques, noirs et hispaniques, et monde qui parle espagnol, le monde ça va entrer dans un choix en président. Parce que yo vin citoyen américain, même si c'est naturalisation, c'est pas par naissance que yo américain, mais yo vin un droit de vote tout, parce que y a payé taxes. Et je dis hein, que mon capteur de même monde qui est Alien 4, moun ki gen Alien 4, moun ki réside dans aux États-Unis, t'as supposé qu'à participer dans les élections. Parce que la paix est taxe, mais à tout le monde. Que gen yon pire, le augmenté, bordeaux, bolaka, li pour de l'eau, ou soit pour l'électricité, eh bien, li paye le même avec blanc, li paye le même à tout le monde. Je dis, c'est ça qui fait que Donald Trump font erreur. Là, il pensait, oui, c'est vrai que grand pile blanc. Oui, c'est vrai, blanc en majorité comparé avec noir, là. Mais l'homme était asiatique. Vous mettez latin, vous mettez caribéen avec noir, eh bien, les contrebalancés blancs, oui. Et quand plus le blanc tout, je dis qu'il commence à prendre conscience que tout ça que peut-être que il était mettait la tête, il était la caille, que moule noir, asiatique là, moule latin, il est aussi intelligent, que des fois lui-même plus intelligent tout que lui-même. Il a rencontré souvent l'école, il y a plus monde qu'à l'école, il y a plus collège qui ouvert, je veux dire, il y a plus universitaire qui de toute grâce, actuellement, c'est pas blanc seulement qui vient. Nègre a commencé à gagner 10 coups de la poche, tout pour voir petit dans l'université. Donc, je veux dire, un petit blanc, le croisé avec petit nègre dans l'université, il remarque que tout ça que était fait comprendre, le jeune, c'est pas vrai. Noir pas plus moche, au contraire, noir plus doux que blanc. Bon, noir plus soumis que blanc, sous besoin qu'on est. Parce que lui sort du nom père, ou sort crasier, ou sort crabinel. Donc, il est difficile pour le lever tête. Très souvent, c'est le sport, c'est au sein de notre domaine que lui essaie d'émerger pour peut-être pas être en valeur. Et je dis, il doit venir réaliser que, quand tant que tu fais à mon noir, et tôt ou tard, ou un jour, qu'on est qui vient pour mettre un genou à terre, qu'on blesse bien pour mettre un genou à terre, pour lui dire, net, tant pis, fais pas, mandez-nous pardon. Mandez-nous pardon aux nos ancêtres, parce que je me traite, ça me fait noir, me fait noir abus. Me fait noir abus pendant trop longtemps. Et c'est ça le peuple, oui, je dis. Soit elle fait l'agressif comme ça, l'élection, c'est la peur que il y a en quantité numérique. Je dis, lui préfère quitter Zamni comme seul moyen de défense, parce que lui peut que ne veut pas lui demander le compte pour qu'il soit fait tout soit fait pendant tout le temps. Ça me défaire, qui ça me j'aime faire, qui fait que ou crabine même comme ça. C'est la peur, oui, de peut-être on revanche. Même pas quoi dans la tête, mon égoïe, non? Non. Tu le défends tête, je dis, parce qu'il y a moyen pour le défendre tête. Même pas quoi le faire l'idée pour le tabac, on joue couru sous blanc. J'ai l'impression que la pivité blanc ne me fait pas haut. Ne me fait pas haut. Parce que le nègre n'est pas réellement violent. J'aime me comprendre. C'est pas vrai. Non. Mm-hmm. Parce que m'a regardé pour moi, là, l'anti-campagne, ça là, que Donald Trump perdu, et puis il pouvait mettre tout le monde dans la rue avec gros âmes à 26 000 de monde. Si c'est méchant, je ne crois pas que c'est un nègre qui est méchant. Je ne crois pas que c'est un méchant. Non. Peut-être moins pile monde dans Maison Blanche qui était justement depuis quelques jours, bien hier même, à bail Trump d'eau. Peut-être c'est ça, vous te comprenez? Vous avez un soupçon? Je connais depuis avant l'élection que COVID-19 a joué un poids excessif dans la balance. Je te compte ça déjà. Parce que, comme le coupable, 227 000 monde mourir. Ce n'est pas dans la guerre que vous mourrez. Vous mourrez à cause de négligence dirigeant. Yo. Et dirigeant, premier monde qui a une responsabilité, c'est Donald Trump. Même si elle bat l'estomac, pour lui dire que l'économie a été bonne pendant une période de temps. Parce que ce n'est pas lui-même qui fait l'économie.
Ça veut dire c'est toute une machine d'abord. C'est pour me dire économie, hein. C'est un héritage de Barack Obama. Lui-même qui était venu au pays, qui était complètement déficitaire sous George Bush, il vient pour le pouvoir, lui remettait plus ou moins dans certaine stabilité, et le mettait son courant, quoi il est là pour lui dire un supplé. Là, Obama a quitté le pouvoir, qu'on supplé l'orchestre. Oui. Et de plus l'argent, oui, le Obama voilé. Que l'on est venu, parce qu'il était totalement payé, il répétait, quand il est déficient, il retirait le déficient complètement, et il quittait intérêt, il quittait profit là-dedans. Monsieur bénéficie du profit, hein. Bon, il y a pas le crédit, c'est le président. C'est sous gouvernement, ça fait. Donc, tout le monde a le crédit, pas aucun problème. Mais même si on a un bon crédit, ils ont pas passé sous gouvernement. Et puis, il n'y a pas de bravo pour eux. C'est pour mettre la ligne autour. On n'a pas passé sous gouvernement. Même là, c'est pas vous, même personnellement, qui tuez mon yo. Je parle d'un peu, cas pour aller au tribunal. Parce que tout le monde qui défend, il y a pour lui, qui dit, il n'y a pas la signe, monsieur. Il n'y a pas de monde qui a une famille qui a mouru dans le COVID-19. Il a dit qu'il a signé, monsieur. Monsieur a demandé l'argent depuis 2 ou 3 jours, soi-disant pour aller au tribunal, pour question élection. Mais je prends besoin de l'autre argent encore, parce qu'il n'y a plus de monde qui prend la signer, monsieur. Du fait, je prends dire, monsieur, c'est négligence qui fait maman, qui fait papa, qui fait frère, qui fait sœur, qui fait mari, mourir. Monsieur Valguin, plus de problèmes du jour, parce que 227 000 personnes qui mourent. C'est sous conscience, monsieur, que l'Amérique l'a gagné. Très bien. C'est ça que j'ai perdu l'élection. En fonction de ce que dit là, Biden président, comment est l'avenir États-Unis là? Bon, les États-Unis, Biden va gagner pile pour le faire. Biden va gagner un pile. Biden va gagner pour le remonter, Santarelli, estime et puis et amitié. Les États-Unis avec une série de pays que monsieur qui a lui-même litige avec eux. Monsieur qui a un complexe à tout le monde, vous remarquez que le Parlement anglais n'a jamais recevoir monsieur. Vous remarquez que monsieur a rencontré 2 ou 3 fois avec le chancelier allemand. C'est toujours que les absorti, il est sorti à couteau tout tiré. Ou regardez le Canada qui se frontière immédiat, monsieur. Monsieur pas un trop bon rapport avec monsieur Trudeau. Donc, ça veut dire que monsieur sont un monde qui a plus ennemis que amis. Eh bien, Joe Biden va l'obliger au niveau international, d'abord, relonger la main et peut-être visiter le pays, ça va faire ressentir que, excusez, peut-être même dire excusez, du fait qu'à un certain moment, des alliés de tous les temps, donc en l'Angleterre, c'est un allié permanent des États-Unis, pour que gagne froid entre l'Angleterre et les États-Unis. Alors, on a fait quelques jours que nous parlons d'une dignité anglaise d'une visite. Jacques-là? Aïe, ça beau. Je ne sais pas si Jacques, non? Jacques a une bonne information là. Je vais vous dire à Jacques. Est-ce que c'est moi qui Jacques, on essaie de faire contact. On essaie de faire contact. En fonction de ça, Jacques Kassaol dit là, Joe Biden, qui est justement élu président des États-Unis et qui, justement, d'après sa CNN dit, et qui lui-même tout pour le gagner et en pile bagay pour le faire. Biden gagne pour le gagner en pile vraiment en pile bagay pour le faire. Est-ce que nous devons faire contact avec Jacques? Oui, parce que nous devons faire contact avec Samuel Dorimet. En attendant, m'entrer avec invité. En attendant, m'entrer avec invité. Jacques là? Très bien. Jacques ou là? Oui, moi tout là. Oui, moi tout là. Oui, ou t'as dit que Biden gagne pile bagay pour le faire là? La Biden, par exemple, au niveau diplomatie, pour que M. renoue tout Santarelli et lié avec une série de pays qui ont remarqué qu'il y a quelqu'un. Je ne sais pas que le pays qui habituellement, chaque année, fait 2 ou 3 voyages aux États-Unis et vice-versa, que les États-Unis à la caillou, ou pas remarqué que il y a des dignitaires anglais qui viennent ici, ou pas remarqué que des dignitaires français, allemands, espagnols entrent aux États-Unis pendant rien, monsieur, ça. Parce que quelque part, il y a toujours un côté que il y a un que le fait, mais il n'y a pas d'accord. Par exemple, M. Dini pas supporter encore l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Il y a un côté que tout le monde connaît, que tout pays sur la Terre, baille pour permettre que nous avons santé, nous avons une santé planétaire. M. Dini veut tirer le col là-dedans. M. Dini, non, il n'y a pas d'accord encore lui-même. Monsieur, regardez l'OTAN. Monsieur, après tirer des soldats américains dans des pays, côté que Mounio comptait sur soldats américains pour stabilité politique, économique, la caillou. Il retirait. Donc, tout pays, c'est des pays
autrefois qui était allié des Américains. Je dis un capèche et cavalier seul qui trouvait que yo peur de côté région, côté par rapport à peut-être voisinage qui n'a pas de très bonne harmonie avec eux. Donc tout ça, c'est du travail que Biden peut faire ou pour l'autre travail encore ici, là, aux États-Unis. Vous voyez le COVID-19. Presque tout le monde sous la terre a dégagé un rang pour résoudre le problème. Ils ont pris plusieurs mesures. Ils ont dit que les gens masques. Ils ont dit que les distance est 1,50 m, etc. Monsieur, comme on est qui peut avoir un exemple, c'est le premier mec qui a dit que masque en Afrique et qui dit que les gens ne sont pas occupés de masque, etc. Les gens qui peuvent mourir sont supposés mourir, etc. Ce n'est pas langage d'un chef d'État. Ce n'est pas le comportement d'un chef d'État. Ça veut dire que si pas vous-même comme chef d'État, ou pas qu'à comprendre, ou pas faire la science, bon, je ne vais pas faire la science et confiance. Bon, si pas faire et docteur, ou pas faire scientiste confiance, qui sort de confiance là? L'esprit pas où? Tête pas où? C'est peut-être pas simplement qu'on pense, ou plus qu'on bon Dieu, puisque ou qu'à ouais, non seulement qui s'appuie, pourquoi c'est la science? Pourquoi est-ce que les scientifiques qui peuvent expliquer qui ça nous a fait, comment pour nous fonctionner, qui j'ai pour nous éviter, comment pour nous vivre plus longtemps? Bon, monsieur, pas appeler ça. Monsieur, qui m'a dit, monsieur, que mon mourir plus bonheur que possible, je ne pas où mourir, et puis lui-même, il go parler, ça veut dire que ça a gagné un dollar comme caractère, lui satisfait. Eh bien, tout ça, c'est pareil que Biden va l'obliger de pencher sur la question COVID-19. Hein. Et ceci prend des mesures, pas des mesures au niveau de l'État, simplement au niveau fédéral. Ça veut dire que vous n'avez qu'un plan pour que tout le monde soit même plein d'égalité. Si nous tous mettons des masques, tout le monde fait qu'on mette des masques. Et si vous ne mettez pas des masques, c'est pas l'État. Ça, c'est une économie. Hein. Depuis le temps, dans la COVID-19, il n'y a pas quel business qui ferme. Pour l'argent pour Biden depuis combien de temps, monsieur, c'est pour chèque, ça, c'est Lick Biden. Il te baille une fois 1 200 $, l'elle baille 1 200 $, chèque le marqué Donald Trump sur lui. C'est pas l'argent de Donald Trump, c'est l'argent nous-mêmes, taxpayers. C'est l'argent américain, c'est l'argent moi-même, c'est l'argent tout le monde qui travaille aux États-Unis. C'est pas Donald Trump, c'est pas comme Donald Trump, c'est pas la banque par l'État pour te bailler chèque. C'est l'État qui baille chèque basé sur l'argent social coopéré religieusement chaque mois. Et pour vous, chef le monde, et pour acheter un bagage, vous prenez taxe sur lui. Ben, c'est l'argent ça que vous retournez un petit bagage le même dans nous. Et qui ça vous retourne la même dans nous, comparé à notre pays. L'après le Canada, vous prenez 4 000 $ le mois. L'Europe paye 3 000 et 4 000 $ tous les mêmes par mois. Vous prenez 1 200 $ depuis mars, depuis 19 mars, question de COVID-19. Là, arrivé jusqu'à aujourd'hui, ma parabole, vous prenez un chèque 1 200 $. Vos chèques qui prennent Dieu, depuis combien de temps, monsieur, ni Congrès, ni ça veut dire, ni Sénat, ni Chambre d'Assemblée, ni des députés, ni sénateurs, ils sont d'accord pour que, mais qui j'en ai à peur, mais qui quantité à pas, là, je t'arrête d'arriver devant monsieur. Monsieur dit, non, il n'y a pas de signe. J'avais dit que j'ai puni, monsieur dit, l'acte d'élection pour le compte ça pour le faire. Ça veut dire, s'il est passé, peut-être qu'il n'a pas le bail, pour faire connaître, on l'autre encore, c'est Donald Trump qui paye nous, qui remercie nous, avec un paiement. Du PSP nous t'es voté pour lui, m'a connu ça dans tes pieds, mais je ne sais pas bâcher ça non plus. Même je ne sais pas bâcher ça. Je me garantis que vous pouvez remarquer que Joe Biden a monté presque sur le début. On doit continuer en cocktail de l'homme et ou pas qu'on connaît si monsieur peut-être pas continuer jusqu'à ce que l'IWE mette l'économie en place. Côté que les gens qui ont perdu le business, ils ont réouvert le business, les gens qui ont fait des fils, ils ont commencé plus ou moins à prendre le cordon. Et puis, la vie économique reprend encore aux États-Unis. Parce que, comme le coupable, tout le monde a battu l'estomac, il est fait pour l'économie. C'est l'héritage de Barack Obama que M. Tabou. Bon, mando ça, Jacques Kounia, qui soit pour l'élection Biden, n'a pas gagné comme effet ou bien pas, qui ça a été qui a bénéficié de lui, si gagné? Gagné un changement, Cabral. À chaque gouvernement qui montait, par contre, peut-être pour Carter petit, le Carter était président, et Andrew Young, pour être en Haïti, c'est qu'on pas qu'il y a monde qui était en prison sous Jean-Claude Duvalier, qui était des prisonniers politiques qui ont été arrêtés pour questions politiques. Eh bien, Andrew Young est entré aux États-Unis, le Carter est entré, et puis Andrew Young est demandé pour que l'aille visiter, et fort dimanche. À partir de là, le gouvernement de tout remarquer que son forme de pression que le gouvernement américain a pu utiliser là, et il était pris en disposition pour être lagué, mon yo. Radio-Omega. Là, que le demandé Jean-Claude pour faire élection,
c'était le gouvernement de Reagan qui m'a dit Jean-Claude pour faire l'élection. Et certains ministres qui étaient prêts, Jean-Claude a dit la présidence à vie n'est pas négociable. Eh bien, Reagan m'a demandé Jean-Claude pour que les marchés postés. Et lui-même, quand a annoncé le marché post le 31 janvier pendant le tour Belgique, et puis bon, Jean-Claude Paloma, c'est sérieux, et puis 7 février, et 7 jours après, M. Paloma fait aussi. Très bien. Donc, comme le compagnie, l'élection américaine toujours a un impact sur ce qui a passé la caille. Pas qu'on connaît, parce que, parler de ce qui a passé dans le passé, mais je dis, ces deux présidents, c'est sûr que le président en Haïti on va le féliciter et Joe Biden. Et c'est sûr que. Vous pensez ça, Jacques? Vous pensez ça? La bonne, je félicite. Puisque c'est un protocole que le monde entier respecte. Donc, je ne sais pas Haïti va faire exception pour le patabac. Même Maduro. En garde si c'est une hypocrisie, Jacques. En garde si c'est une hypocrisie, le cas où fait ça, mais bon, mal et avant, c'est vrai. Si Trump parle, Biden va passer 4 ans au pouvoir, car il est retombé pour Haïti. Mais dans la conjoncture, ça là, on dit Biden monté 20 janvier 2021. Quitte dans la conjoncture là, même opposition ici, t'as demandé de départ président 7 février 2021. Est-ce que vous pensez qu'il y a des impacts sous période ça même, dans titan ça? Gagné, opposition a gagné un paquet allié, li bien un paquet de connaissances, li un paquet d'acquaintances avec des mouns qui n'ont même parti avec Joe Biden et qui t'y écrit en lettre déjà. Donc, Joe Biden déjà, pas qu'à dire composition, mais Joe Biden pas qu'à venir non plus et puis lui dit, et je vais la faire autour. Ça pas fait comme ça. Ça pas j'aime qu'à faire. Et Joe Biden pas qu'à faire ça non plus. Peut-être, vous pensez que ça va le bail et président actuel en Haïtien et ils ont porte de sortie pour que les CFO font bagaille pour payer, hein, pour que Joe Biden dit bon, on va entrer dans ça, etc. C'est nous qui nommons le président, non, etc. On va faire trop force là-dedans, mais on va veiller de près pour nous. Et puis, quand on école qui fait, m'a pris les oreilles, monsieur, m'a dit, monsieur, hey, il y a certaines attentions, m'a pas fait tel bagaille, m'a pas fait tel bagaille, etc. Même pas quoi, le président des États-Unis, c'est Donald Trump seul qui a fait ça, a été le président de l'autre pays, marché pour ça. Et il n'est pas fait comme ça. Il y a un pile, encore, qui gagne. L'opposition gagne un pile, nous cas de relation avec des mouns qui n'ont pas Joe Biden, qui se sont des démocrates. Surtout dans le Congrès, surtout dans la Chambre, soit arrivé dans le REC, dans le House, dans le député. L'opposition ne connaît pas quel monde dans le député. Le sénateur n'a pas bien trop passé ça. Sénat divisé avec Chambre, avec House, avec député. Mais Sénat a gagné beaucoup plus d'importance pour le président. Ça veut dire que le président attendait et House tantôt. Mais puisque le Sénat a gagné plus de pouvoir que le député, le président a toujours attendu Sénat avec l'autre oreille. Parce que il y a des sénateurs qui sont proches, bon, qui pas qui sont sûrement, il y a des sénateurs qui sont proches Trump qui pourraient demander Joe Biden pour continuer même politique. Au point d'un tel comme Marco Rubio, qui c'est un monde qui occupe l'affaire étrangère pour Donald Trump, qui était à Haïti sous responsabilité, c'est sûr que l'on va chuter avec Donald Trump, il va expliquer Donald Trump à sa façon, pour quelle raison, pourquoi et comment politique en Haïti, c'est comme ça nous décider. Jacques. Oui, non, Biden, pas Trump encore, parce que Trump est président. Je dis, on va la faire Trump encore. Oui, mais Jacques, pas ça, c'est pouvoir beaucoup fait. C'est pas le 20 janvier, Joe Biden a pris le pouvoir. Oui, mais c'est ancien, Donald Trump, son ancien président. Donald Trump, son ancien. Il va foutre tirer. Bon, comme mettons à l'aise. Whatever, ça qui passe, il va foutre tirer dans le White House, 21 janvier. Il a pu le mettre dehors. Il a pu le mettre tout à fait pour ses dos. Il n'a pas qu'à arrêter 21 janvier. Ouais. Il n'a pas qu'à aucun.
Très bien. Il n'y a pas qu'à arrêter 21 janvier. Il n'y a pas qu'à arrêter 21 janvier. Donc, où est-ce que je marque président élu, mais en même temps, tout, je veux dire, ou bien doit dire ancien président Donald Trump. Parce qu'il n'est pas président encore comme président élu. Pas qu'à gagner deux présidents, puis le président élu. Il y a quelqu'un qui n'est pas président encore. Même si il a occupé les fonctions. Oui, mais ça, ça qu'est lui, Jacques Valita doit prendre décision, ça qu'il a déjà, non, ça qu'est lui, a beaucoup engagé l'État. L'hypocrite a engagé l'État. Ça qu'il a aujourd'hui, la décision de commencer très tard diminuer, parce que c'est sûr que je vais le sentir au fur et à mesure, d'abord, où tu es dit à l'heure. Depuis semaine dernière, il n'y a pas quelqu'un qui était contre beaucoup de monsieur. Monsieur, il n'y a pas répondu au téléphone encore, non? Il n'y a pas répondu au encore. Mitch McConnell dit que moi-même, je travaille avec le nouveau président. Parce qu'il dit que tu connais que tu es son ancien président, quel dieu. Même si on va dire qu'il faut faire Annick Barrett passer comme juge et la Cour suprême. Et bien, il y a des gens qui ont fait Annick Barrett. Mitch McConnell dit si Michel Mbala, si Michel Mbala, parce que lui, je suis deux mois arrêté là pour l'alternative. Actuellement, je suis supposé régler ce que vous nous dites, les affaires courantes. Monsieur a pu régler les affaires courantes. Et c'est sûr que d'ici lundi au mardi, je crois que c'est à commencer avec des cravates, des emboîtes, des chaussettes, ramasser des bagages, mettez-les en boîte. Très bien.